Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo sur Destiny 2. Je rapproche légèrement le micro, moi, vous m'entendez mieux. C'est peut-être même un peu trop près, je ne sais pas. Voilà, ça devrait être mieux comme ça. On va bien voir. Et donc, traître noir. Elle n'arrête pas de nous attirer de nouveau. Mais j'imagine que ce lieu est synonyme de bonnes choses. Et donc, comme vous allez pouvoir le voir dès maintenant, j'ai encore un petit peu grimpé. Et par exemple, vous voyez, j'ai cet exotique qui permet en fait d'améliorer fortement la vitesse de recharge de vos compétences solaires quand le marteau du soleil est chargé. Marteau du soleil, ouh, marteau fondu, ouh, relique titan, ouh, ouh. Donc, nouvelle doctrine à récupérer. Entre autres choses, j'ai aussi récupéré, j'en parle, le destructeur des mondes qui nécessite d'avoir fini le raid Léviathan. Bon, j'attends que Rontopo soit présent, qu'on puisse commencer à grouper, etc., etc. Bon, c'était pas pour tout de suite. Je vous rappelle aussi au passage que vous pouvez... Autant pour moi, rejoindre le clan. J'essaie d'inviter des gens un peu au pif pour qu'ils viennent. Donc je commence à avoir des réponses, c'est cool. Mais n'hésitez pas vous aussi à rejoindre si vous avez le jeu, que ce soit sur PC ou console, vous pourrez participer au service d'XP. En tout cas, même si on pourra pas jouer ensemble, vous pourrez jouer toujours et retrouver d'autres personnes qui jouent sur console aussi si nécessité. C'est toujours pratique dans les deux sens. Quoi qu'il en soit, nous allons chercher. Tu as beaucoup changé, Portail, mais tu es toujours aussi énorme et effrayant. Il est con. Nous allons chercher. Moi, je suis prêt, en tout cas. Notre nouvelle doctrine. Il n'y a pas de. Pas censé y avoir un géant quelque part. Ah bah voilà. Ces mercenaires liés par serment recherchent des combats et des alliés. C'est Zavala, hein. Là, c'est certain. Désormais. La lumière de leur flamme a enfin trouvé sa place dans la cité. Ooh. Forgez la colère de soleils éternels. Portez le marteau du soleil avec honneur. C'est compte sur moi. Légende, que celle-ci soit déjà écrite ou à venir. Compte sur moi, Zavala, donne-moi ce marteau. Bon, bah du coup, c'est stylé. Et donc, oui. Alors, attendez, je vais m'en approcher parce que ça a pas trigger. J'ai combattu à leur côté au sommet du mur. Cet objet va avec la troisième doctrine. Vie tout autant que nous ce jour-là pour une cité. Qu'est la doctrine solaire. Senti abandonné. C'est quelque chose que j'admire. Je ne pensais pas revoir la lumière de leur marteau à la cité une nouvelle fois. Mais ce gardien me surprend toujours. Oh. Alors ce qu'il faut savoir c'est aussi que dans ce patch, d'accord, il n'y a qu'une seule pièce, pourquoi pas. Dans ce patch, il y a quelques bugs. Ah non d'accord, on n'y est pas encore, autant pour moi. Quelques bugs de latence qui sont ma foi assez gênants. Qu'est-ce que c'est? Le portail qui est fermé, d'accord, ok, vendu. Autant pour moi, parce que c'est comme c'était la zone du gros combat précédent. Vandale. Pardon. Ah bah. Concentre-toi Marcus. Tu peux le faire, you can do it. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va être tout noir. Bonjour. D'accord, ils ont des boucliers de feu. Du coup, quand je tire dessus avec et que je rompe leur bouclier explose. Why not? C'est logique. C'est le jeu. J'ai pas capté que c'était ça au départ, par contre. Faut le temps que je percute. Percute, percuteur, revolver, tout ça, blague. Blague moisie, excusez-moi. Du coup. Là-bas, une autre projection. Projection, voilà. Bonjour Zavala. Zavala aime répéter que la survie est un état passager. Et qu'il faut toujours combattre pour la préserver. Mais la survie est déjà indue pour nous. La chute a eu lieu et pourtant, nous sommes là. La survie est dans notre nature. Je suis un titan. Qu'on le veuille ou non. Parfois, des gardiens me demandent pour quelle cause ils devraient combattre. Pourquoi pas la paix? Ou une cité où la peur n'a pas lieu d'être. Alors, moi ça me plaît ce principe parce que vous voyez, on parle de gardiens. Les gardiens sont ceux qui meurent et qui reviennent à la vie sans cesse. Et c'est vrai que, au bout d'un moment, je peux comprendre qu'on cherche un but. Un but qui parfois peut être inaccessible aussi. Il ne sera pas content que je vous ai raconté ça, mais... Dame Ephrédite. J'aime bien Dame Ephrédite. Elle me raconte tout. On aime se raconter des histoires. Et
Et on aime nos casques. Donc, Éphridite soulève Saladin au-dessus de sa tête, et là elle dit « Je ne rate jamais !» Elle le soulève au-dessus de sa tête et le balance. Et il active son onde dévastatrice. Entre eux, l'énergie cryoélectrique siffle comme des coups d'épée. Il tombe sur près de 20 km. Et il atterrit sur un ténébrion déchu. On dirait un obus tiré par un canon anti-aérien. Tout explose. Son spectre à elle rigolait quand il a été réanimé. Ils avaient sauvé un village entier. Oh la vache. C'était l'âge noir. Il y avait encore des villages. Cette époque me manque. Dame Éphridite me manque. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous... Voilà, par exemple là j'ai mon super activé. Quand je saute et que je fais un clic droit, je retombe sur le sol et je fais un gros impact. Et donc, c'est marqué dans la... truc. Charge sismique, à part avoir pris une réplique. Magnitude. Non, c'est pas ça. Voilà. La frappe au sol d'onde dévastatrice laisse derrière elle une zone de dégâts qui inflige des dégâts. Et les dégâts infligés gagnent en puissance selon le temps passé en l'air. Imaginez sur 20 km. Là, je fais quoi? Je fais du... peut-être du 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres? Tout pété? Imaginez sur 20 km. La puissance de l'impact. Voilà le fragment. Attendez. Vous avez entendu ça? Non, rien entendu du tout. Arrive. Non, dans ta tête. Je vais me donner mon pouvoir tout de suite, qu'on rigole. Oh. Bonjour, messieurs, dames, les corrompus. Comment allez-vous? Bon, après tout, si vous vous mettez tous comme ça, moi je frappe, hein. Hop, là. Autant pour moi. Mauvaise idée. Aïe. Aïe, mauvaise idée. Oui, j'ai senti la mauvaise idée. C'est dommage. En plus, je veux pas caler mon ult, mais c'est vrai que je le garde trop souvent. Hein. Peut-être à force de jouer à Overwatch, d'attendre, vous savez. C'est quoi ce truc? Ah bah oui. Oui, d'accord, je viens de comprendre, regardez. Ils ont tous un bouclier solaire. Pourquoi? Parce que justement, on vient tester la doctrine solaire. Du coup, bah... ça va être craqué. On va bien avoir encore un peu de lumière à offrir. Oh oui. Ça doit pouvoir se faire. Hop là. Hop là. Lumière. Arc-en-ciel. Oh, wow. Quelqu'un a vu mon marteau? Brise soleil, équipement verrouillé. Ah bah ça y est, voilà. Haha. D'accord, ça fait une zone d'impact. Allez, hop, avant de mourir, ah blah. Faut que je reste près de l'arbre à mon avis, ça va être plus simple. Fournaise seule. Ah bah encore. Alors le clic droit, c'est quoi? D'accord. Tu vas te calmer toi. Ok. Et ma grenade, c'est quoi? Oh boum. Dans ta face. Oh, puis ça se recharge. C'est quoi ça? Regardez, si je me mets près du truc. Hop là. Et du coup, les ennemis sont dans mon queue. Ok. On voit pourquoi ils me font chier avec ces trucs-là. Ça semble que je les considère même pas comme des ennemis moi-même. Débile. Fous-moi là. What? Vous savez quoi? Autant y aller.
Par contre, je vois pas du tout la différence entre le clic gauche et le clic droit, mais peut-être ma faute. Hein. Ah, il y a un truc à faire ici. Ah oui, un portail. Ah, c'est déjà fini. Ah non. Si. Bourrage. 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 Ah ah. Bourrage. Bon bah... Apparemment il suffit de bourrer. Hein. Donc bourrons. D'accord. Ah oui, celle-là en fait. Alors on a une... Je sais pas si c'est... Je dis AOE mais... Il peut m'arriver de me tromper. Je dis ça parce que... On a une sentinelle qui... prévaut la défense, le corps à corps, qui est en fait une... Ouais bah qui est moyenne en fait. Qui est ni trop, enfin potentiellement ni trop corps à corps, ni trop distance. On a le l'assaillant qui lui est complètement complètement corps à corps, hein, c'est-à-dire que aucune de mes capacités n'est véritablement à distance, à part une AOE à impact, disons-le. Hein. Oh. Tout pour nous empêcher de partir. Ouais bah ils vont mourir hein, comme tous les autres. Ouah. Bonjour le venin d'Oryx. Où est-ce que t'es? Mon gros, où est-ce que t'es? Va tellement te faire du mal celle-là. Bon, on y retourne. C'est pas mal. Bien joué. C'est pas mal. Je m'attendais à mieux. J'ai hâte de voir moi le reste de la du principe, si je puis dire. Vous savez, le reste du de l'arbre des compétences qui tourne autour de cette doctrine. Parce que du coup, d'accord, ok. Je ne sais toujours pas pourquoi le voyageur a choisi de nous offrir ses pouvoirs à nous. Il doit bien y avoir d'autres gens comme nous qui combattent pour la justice. Ah voilà, fin de la mission. Ok. Ok. Et donc, tu me renvoies quoi en orbite? L'équipement déverrouillé, oui, bah cool. Voilà. Et du coup, nous avons, voilà, les différents... La grenade à termite. C'est vraiment le projet d'une traînée enflammée vers votre cible, c'est intéressant. D'accord, grenade à fusion. Why not? Lorsque vous sprintez, cette attaque de mêlée pour déchaîner une frappe de marteau embrasée qui affaiblit les ennemis. Métal trempé, les frags avec des compétences solaires vous octroient à vous et aux alliés proches un bonus de vitesse de déplacement et de rechargement. Les ennemis tués par le marteau du soleil explosent. Les ennemis se brisent en tison ardent, en fusion. En tison. Déjà, le tison, c'est plus ou moins des flammes. Hein. Enfin, ouais. Ardent, donc c'est encore pire. En fusion. Vous voyez, c'est histoire que vous n'avez pas compris que c'était du feu, quoi. Le brise-soleil, tout ça, tout ça. Au moment de l'impact. Ok. Ici, nous avons explosion de mortier. Frapper un ennemi avec cette attaque de mêlée pour provoquer une explosion solaire qui enflamme les ennemis proches. C'est stylé. Le briseur de siège. Que dit briseur de siège? Donc, pardon, c'est le briseur de siège celui-là. Soleil invaincu. Les frags avec des compétences solaires vous rendent des points de vie. Les frags avec des grenades et des attaques de mêlée laissent une tache solaire meurtrière derrière elle. C'est complètement stylé. Siège éternel. Les marteaux créent une tache solaire à l'impact. Lorsque vous êtes à proximité d'une tache solaire, vous lancez les marteaux plus rapidement. D'accord.
Lorsque vous trouvez dans une tâche solaire, vos compétences solaires se rechargent plus vite et votre super dure plus longtemps. Grosso modo, faire boum. Ok, c'est intéressant. Pourquoi pas Des explosions. Voilà. Code de la forge solaire. Bah, c'est cool. Et en termes de grenades, je pense que je vais prendre ça. Ça, c'est quoi la première? Incendiaire classique. Moi, je vais prendre ça, c'est pas mal. Et je vais garder le vol élevé, que je maîtrise, je trouve, je suis assez content du vol élevé. Ok, bon bah c'est pas trop mal. Why not? Ok. Bah écoutez. Je vais lancer un nouvel épisode dans lequel on ira faire les différentes... quêtes pour des exotiques. Voilà. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, et n'oubliez pas, vous pouvez toujours venir dans le clan si vous le souhaitez. PC console, vous voyez, il y a des gens, lui par exemple, je crois que c'est un joueur console. Non, lui c'est un joueur classique. Je crois que vous pouvez venir en tout cas, je ne sais pas, on verra. Je pense que vous pouvez, mais je ne sais pas si c'est vraiment le cas. En tout cas, je l'espère. Voilà. Salut les gens!